En fait, ce film, au départ, on n'arrêtait pas, Doria et moi, parce qu'on se connaît depuis très longtemps, de faire des impros dans la vie. On improvisait des trucs pour s'amuser, pour se sortir d'une soirée bizarre, ou pour se distraire. Et on jouait des personnages, on inventait des espèces de petits sketchs d'humour noir. Et puis voilà, puis les années ont passé. Et on a fini par. Et Doria a fini un jour par venir, on dînait. Et elle m'a dit, écoute, j'ai noté un certain nombre de choses qu'on a fait depuis longtemps, et ça donne un matériau potentiellement intéressant pour faire un film à sketch. Et puis du film à sketch, on est parti vers un vrai film. C'est 2 ans de travail quand même, donc stressé, non, on est content. On est content, on est parfois fiers. Un petit peu fébrile parce que c'est énormément de travail qui se résout en quelques semaines, un peu de promo, et puis un jour la sortie arrive et on vous dit dans la journée quel est le sort de tout ce travail. Oui, moi je voulais être comédienne et puis on a travaillé ensemble à l'écriture, donc c'était passionnant. Et puis d'accompagner tout ce travail de préparation, d'assister à la naissance d'un film, de voir comment... Ça, moi je connaissais pas, donc... C'est clairement la chose la plus importante que l'on ait fait, et l'un et l'autre, dans notre vie. Pour moi, c'est considérablement important, ce qui se passe là. Et c'est vrai que là, en plus, c'est notre première télé. Donc on se rôde, en fait. On va découvrir un peu la façon dont on va en parler. Parfois, on a des idées très très claires depuis des mois, et on se rend compte qu'on est... On est bien en peine de les passer au public. Et puis c'est vrai que la grande différence dans ma petite carrière à moi, c'est que c'est la première fois qu'il y a un enjeu tel. C'est-à-dire que je pense que je vais être un tout petit peu timidifié, fébrilisé par l'importance du projet pour moi, par l'investissement qui a été le mien. Non pas que je ne me sois pas investi dans mes livres ou dans mes pièces, mais là, je rigole pas, quoi. Bon, bah moi non plus, alors.